Et salut à tous, match de Premier League contre Sheffield. Il y a 5 journées, tout simplement. Et on est bien parti pour finir en Ligue des Champions. Quelle équipe? Quelques minutes du coup d'envoi d'un match qui s'annonce vraiment énorme entre deux équipes qui ne pensent qu'à une chose, la victoire. On reprend notre souffle et on revient tout de suite pour le match ici à St James Park. Salut à toutes et tous, très heureux de vous accueillir ici à St James Park. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès, en direct dans quelques instants, une rencontre de la Première Ligue anglaise. Il devrait y avoir du spectacle, on l'espère. Ouais Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Voilà un joueur que l'on va suivre vraiment de près dans ce match. C'est avant tout un redoutable finisseur, il l'a prouvé à tellement de reprises. Les 11 titulaires pour Newcastle aujourd'hui. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. On va s'intéresser ensemble aux 11 de départ côté visiteur. L'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. C'est parti. Ah, le couloir qui est dégagé là pour les joueurs de Newcastle. Ah, la passe est coupée et bien défendue. Et déjà une faute. Un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Hein. Alors là, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais et c'est n'importe quoi, c'est complètement manqué. Ah ouais, la moindre des choses quand on tire un coup franc, c'est d'y croire un minimum quand même. Isaac Hayden, Mandel. Très mal donné hein, ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il perd ce ballon. Lazaro. Caligiuri. Caligiuri. Ah, et la bonne passe. L'appel de balle. Et la passe en profondeur. Non, oh. Il faut qu'il attrape au moins le cadre hein, s'il veut vraiment inquiéter le gardien.
Le classement qui nous confirme que cette équipe peut se qualifier dès aujourd'hui pour l'UEFA Champions League. Ouais, surtout en cas de défaillance de ses concurrents directs. Bref, elle en est encore loin. Freeman. Oh, bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, il est en bonne position là pour centrer. C'est loupé, cette tête ne donnera rien, ça passe très loin du cadre. Ouais, mais il la reprend mal, donc du coup c'est sans danger pour le gardien. La seule, ça. Allez, on est Nadia un petit coup. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Freeman. Il perd le... Ah, il perd ce défend. Ballon. Daniel Caligiuri. Chercher une ouverture, bien sûr. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, Caligiuri, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, cette équipe qui est décidément toujours efficace devant. Ah, c'est pas la meilleure attaque pour rien. Qui vont apprendre, mais qui ne changent pas grand-chose mathématiquement, voire rien du tout même. Ouais, on peut pas dire qu'ils aient fait un grand pas vers l'UEFA Champions League, mais bon, dans les têtes, ça doit faire du bien. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Je vais faire tomber les primes en fin de saison. Wendel. Freeman. L'équipe dispute un match capital, puisqu'il s'agit de la qualification pour l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un peu une sorte de tour préliminaire qu'il dispute aujourd'hui. Et la voilà la fin. Bon, le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le gardien a été génial là. Voilà, qui s'éloigne de la zone dangereuse. Regardez, Lookman, il est parti, Lookman. Voilà. Changement de position. Wellington. Oh, le plongeon du gardien, magnifique. Valérie Thunderberg. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le tir. Et la bonne claquette du gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. On cherche des solutions là. Elle est contrée cette frappe. Daniel Caligiuri. Il a rendu à l'adversaire. Ah, il n'avait pas le choix, il fallait vraiment qu'il revienne. Il cherche une solution. Wellington. Oh, que c'est bien donné ça. Une fausse alerte finalement. Ça sort en touche. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Ouais, il est en bonne position là pour centrer. Ouais, bonne intervention, hein. Des défenseurs loin devant. Allez, il faut en profiter là. Dwight Gayle. Ah, c'est superbe. À l'adversaire est cloué sur place. Il est parti. Oh, c'était juste et dangereux. Wendel, Thunderberg.
écarte un petit peu le jeu. Ballon en profondeur. Il essaye de trouver la faille. Le tir. Il repousse le tir. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. Un tir complètement raté. On compte rêver un peu là. Aven Char, Isaac Hayden, Daniel Caligiuri. Tiens, Pierre, je vais essayer de te coller. Il y a un club français. Un ballon qui est donné en profondeur. Au centre, il a vu ses coéquipiers. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Le ballon qui est dégagé. Wendel, Sanderberg. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le repli a été très rapide, très efficace pour enrayer cette contre-attaque. Aven Char. Wendel. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Daniel Caligiuri. Isaac Hayden. Wendel. Wellington. Ouverture. Ouais, la tentative. Ouais, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Il aurait bien arrangé les affaires de l'entraîneur, ce but. Ça va. Son équipe mène, mais ça l'aurait libéré peut-être. Le corner en direction du point de pénalty. Les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné. Chercher une portée, bien sûr. C'est pour le gardien. C'était bien, tant pis. Freeman. Ah, la bonne qualité de ses passes. On transmet ce ballon. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Dwight Gale. Jolinton. Nadia Mamiri. Daniel Caligiuri. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Oh, il passe pas, il s'est fait reprendre. Amari Traoré. On cherche la faille dans la défense adverse. Hors jeu. Ah, dommage. Temps, on va partait jouer, au but. Aven Char. Qu'on a pas à mettre le deuxième. Nadiem Amiri. Et ils sont plus ou moins dangereux. Dwight Gale. Daniel Caligiuri. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Sanderberg. Jonathan Caleri. Il est dangereux. Cherche une solution là. Et oh, main, ça là, allait vite. Magnifique, mais ça n'a pas surpris le gardien. Ouais, intervention importante hein, du gardien qui soulage ses défenseurs. Attention, il a du champ devant lui. C'est une dans l'espace. La mi-temps. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période, sans être étincelant. On peut dire qu'il a été bon quand même. Il n'a pas fait la première mi-temps de sa vie, mais c'est plutôt correct ce qu'il a montré. Je dirais bien, mais peut mieux faire. Et coup d'envoi de cette première période à l'instant. L'appel de balle et la passe en profondeur. Ah, il faut qu'il attrape au moins le cadre hein, s'il veut vraiment inquiéter le gardien. Chercher une ouverture bien sûr. Alors, il faut le mettre celui-là. Oh oui, le but. Oh là là, cette équipe qui est décidément toujours efficace devant. Ah, c'est pas la meilleure attaque pour rien. Et la voilà la frappe.
gardien qui nous régale encore avec cette parade. Claquette du gardien. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Le tir. Et la bonne claquette du gardien. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Un tir complètement raté. Joelinton. Ouais, la tentative. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Jonathan Caleri. Il y a eu beaucoup d'action pour. Oh, ça allait vite! Magnifique, mais ça n'a pas surpris le gardien! Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi dans la seconde période ici à St James Park. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Nabil Bentaleb. Attention à la frappe. Et voilà, beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. La conférée ne va pas prendre de risques. Pierre Folie de Richard. Et le tireur qui a visé. Le gardien qui préfère boxer son corner. C'est contré hein, par le défenseur de Mage. Caleri. C'est un rendez-vous de première ligue qui nous attend pour cette rencontre. Newcastle affrontera Watford à l'extérieur. Rencontre intéressante, comptant pour la prochaine journée de première ligue. Sanderberg. Oula, oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Oui, attention. Ah, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Isaac Hayden, Nabil Bentaleb, Joelinton, l'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Nabil Bentaleb, Matrici, on s'approche du but adverse. Placels. Isaac Hayden, Yadlin, Dané Caligiuri, Nabil Bentaleb, Matrici. Cherche quelqu'un au second poteau.
Et le but. Oh, le but pour cette équipe qui compte désormais deux longueurs d'avance dans ce match. Et attention, quel parce qu'une ligne d'attaque pareille, quand elle est en confiance, ça peut faire encore plus mal. Ah, les joueurs qui persistent et signent, hein, c'est bien de marquer ce but, c'est important. Voilà, ils sont quasiment assurés de jouer l'UEFA Champions League la saison prochaine. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et alors plutôt content, l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. Un changement pire, on dirait. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Phil Gadjalka. Sanderberg. Ah, un bon ballon d'attaque. On cherche une solution. Le ballon qui a été contré. Il s'en est fallu de peu qu'il reprenne ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Matrici. Ah, il va falloir tenir maintenant. Mais ça se présente bien pour cette équipe. Ouais, pour l'instant, elle est qualifiée pour l'UEFA Champions League, mais elle ne doit pas crier victoire tout de suite, et elle le sait. Nabil Bentaleb. Matrici. Nabil Bentaleb, on poursuit son action. Joelinton. Et on a dégagé. Bien joué. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Le changement qui tactique. Pour c'est peut-être Norwood. Ce qui manquait à son équipe. Sanderberg. Caleri. Oh, il n'y a personne pour le gêner dans le couloir. Ah, incroyable, personne n'arrive à l'arrêter. La frappe. Ah, il rate le cadre, mais de justesse. On va peut-être garder le zéro derrière. Fabien Char. Nabil Bentaleb. Matrici. Ah, si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Isaac Hayden, Yadlin. Bené Caligiuri. Matrici. Isaac Hayden. Elle passe dans les pieds qui s'enchaînent. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Dwight Gale. Et le dernier mot pour le gardien. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Caleri. Sanderberg. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Non, elle est interceptée, cette passe. Caleri. Wendel. Ouais, de bonnes intentions avec cette bonne série de passes. Sanderberg. On cherche des solutions là. Ah, ça passe juste au-dessus. Ça peut passer loin. Le tir de Norwood. La seule, ça. Avenchar. Nabil Bentaleb, Matrici. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ah, il se trouve bien dans ce match. Hein. Ouais, les enchaînements sont bons, ça tourne bien. Il y a de la disponibilité, c'est parfait. Isaac Hayden, Matrici. Nabil Bentaleb. Chercher une ouverture, bien sûr. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Eh non, c'est gâché. Et il envoie le ballon très loin.
Cette équipe qui est tout simplement en train de perdre pied hein, dans cette course à l'UEFA Champions League. Oui, ça c'est mal parti pour elle. Le scénario du match qui se déroule en parallèle ne lui est pas du tout favorable. Nabil Bentaleb, Matrici, Tolinton, l'ouverture. Du mal à s'en sortir, on dirait. Le pressing haut pour aller chercher ce ballon, ça a payé. Wellington. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. 2-0, il n'y a plus beaucoup de temps à jouer dans ce match. Peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain match de cette équipe. Le club de Newcastle United qui doit affronter Watford ensuite. Les joueurs peuvent avoir le sentiment du devoir accompli. Ils mènent tranquillement au score pour l'instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Wellington, le tir ! Ah oui, très... Oh, le ballon au fond du filet ! Le but qui intervient suite à une première intervention du gardien qui n'a pu que repousser l'échéance avant d'encaisser ce but. Avec ce but, les joueurs sont peut-être en train de montrer que tout n'était pas perdu. Ah, ils peuvent encore espérer se qualifier pour l'UEFA Champions League, mais enfin, il reste encore du chemin. Hein. Ah, c'est probablement le coup de massue, ils ne pourront pas revenir. Sanderberg, Caleri. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On s'approche du but. Le bon ballon ! Finalement, le gardien qui peut s'emparer du ballon tranquillement. Pas de danger là-dessus. Ballon pour l'adversaire. Ouais, ça c'est bien taclé. Dwight Gayle. Isaac Ayane. David Bentaleb. Il se passe directement dans les pieds de l'adversaire. Amari Traoré. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Et qui c'est qui vient tacler ? Eh bien, c'est encore lui. Nabil Bentaleb. Tolinton. Dwight Gayle. Sanderberg. Alexander Mitrovic. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Tolinton. Oh, c'est bien donné en profondeur. Oh, le tacle glissé dans la surface, c'était gonflé. Les joueurs de Newcastle très bien parti pour s'imposer. Les supporters en sont convaincus, ils chantent de plus en plus fort en cette fin de match. Oh, c'est contré ce tir. Et ce sera finalement un nouveau corner. Cherche une solution là. Hors-jeu, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Petit siffle final. Non ? Vas-y. Ah, l'équipe qui aurait bien aimé se qualifier pour l'UEFA Champions League aujourd'hui. Mais ce qui se passe ailleurs n'arrange pas ses affaires.